de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une confiture au potiron, clémentine et gingembre. Vous allez voir, c'est facile à faire et c'est délicieux. Allez, c'est parti. L'étape consiste à découper le potiron. Alors, comme vous pouvez le constater sur la vidéo, mon potiron à moi, c'est un potiron de mon jardin. Il est, comme vous pouvez le voir, assez gros. Donc, on va en découper juste une tranche dedans et puis après, on va pouvoir faire la découpe. Je vous explique ça tout de suite. Une fois que l'on a découpé la tranche dans le potiron, il suffit juste après, avec un couteau qui coupe bien, de découper finement, un peu comme si on épluchait une pomme, sauf que là c'est quand même avec des tailles plus importantes. On fait attention de ne pas se couper parce que la peau du potiron est assez ferme, donc il faut quand même donner des bons petits coups, mais en y allant tranquillement et surtout avec un couteau qui coupe bien, ça se fait tout seul. Une fois que la peau du potiron a été enlevée, il va maintenant juste suffire de découper le potiron en petits cubes le plus finement possible pour que la cuisson soit assez rapide. Et voilà, mais sachez que le potiron va se déliter assez facilement pendant la cuisson. Donc, même si vous les coupez dans des proportions assez importantes, ça n'aura pas trop d'incidence. Juste, je vais en profiter pour vous dire que vous n'avez pas un son, en tout cas la voix qui correspond à peu près à la vidéo parce que j'ai un nouvel appareil et le son n'a pas fonctionné. Donc, avec mon logiciel, je fais en sorte de retrouver tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai pu dire, mais évidemment, il y aura forcément un petit décalage. Veuillez m'en excuser, je fais au mieux et promis, la prochaine vidéo, je tâcherai de trouver le son de façon à ne pas avoir ce petit incident. Voilà, donc pour le potiron, vous continuez à le découper. Comme je vous montre sur la vidéo, vous faites ça avec l'ensemble. Juste une chose également, il est bien entendu que les 400 grammes de potiron, il faut que ce soit 400 grammes de chair, hein. Évidemment, on pèse une fois que l'on a enlevé la peau du potiron, c'est important. Pour ce qui est des clémentines, évidemment, on enlève, on les épluche, hein, on les met en quartier, puis après, on les découpe en petits morceaux, comme vous pouvez encore le voir. Très simple à faire. Là, par contre, la peau, vous allez voir, le jus de la clémentine va très bien se dissoudre, va même servir pour la cuisson du sucre. Donc, on n'a pas besoin de rajouter d'eau. En revanche, les peaux vont rester. Vous allez voir, moi personnellement, je vais donner un petit coup de mixeur pour enlever les peaux, mais si vous, les petits morceaux dans les confitures ne vous dérangent pas, vous pouvez laisser les peaux, mais je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Vous devez préparer également le jus d'un demi-citron. Alors moi, là, c'est le jus d'un citron parce que j'ai pris un citron vert, qui sont plus petits, donc j'ai pris le jus d'un citron vert. Mais si vous prenez un citron jaune, vous prendrez qu'un demi-citron jaune. D'ailleurs, sur la recette, je marquerai un demi-citron jaune. Pour le gingembre, comme vous pouvez le voir, cette racine, hein, évidemment, elle est fraîche. Alors moi, je l'ai simplement épluché. Le gingembre, ça s'épluche comme si vous épluchiez une pomme ou une pomme de terre, hein. D'ailleurs, ça a une peau assez fine. Et il suffira après de le râper et de façon à obtenir que la chair du gingembre, évidemment, là encore, vous en prenez un petit peu plus car souvent, il reste des petits morceaux un petit peu plus filandreux et c'est pas forcément super. Super bon, donc on prend uniquement la chair. C'est très facile à faire, il suffit de prendre une râpe et puis comme si vous râpiez des carottes, vous faites la même chose avec le gingembre et vous allez obtenir une sorte de pulpe qui est délicieuse. Ça va franchement donner du goût à vos confitures. Alors si vous n'aimez pas le gingembre, vous pouvez ne pas en mettre, mais franchement c'est dommage car
Celui-ci apporte un plus conséquent à la confiture puisque la clémentine est assez sucrée, le potiron est sucré également, malgré que c'est un légume. Le gingembre va apporter, lui, gingembre c'est plutôt acidulé, voire un petit peu poivré, et ça va vraiment apporter une touche supplémentaire à votre confiture. Moi je le conseille, maintenant si vous aimez pas le gingembre, vous pouvez vous en passer, ce sera pas forcément un problème. Comme vous allez le voir, il suffit juste de prendre une petite râpe classique et puis vous la passez sur la râpe et vous obtenez la chair. On va pouvoir commencer la cuisson des confitures en rajoutant le sucre en poudre. Alors comme vous le savez, moi je ne sucre pas. Enfin, j'essaye de mettre moins de sucre dans mes confitures. Là, on a environ 600 grammes d'ingrédients. Il faudrait, pour bien faire, mettre autant de sucre que de poids des ingrédients. Mais moi, j'ai mis que 450 grammes de sucre. Et on pourrait même aller jusqu'à 400 grammes. Hein. Ça marcherait très bien. Il suffit d'avoir une cuisson un petit peu plus longue. Sachant que les clémentines et le potiron sont déjà sucrés, on a même avec 450 grammes, on a une confiture qui est quand même très 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 bien sucrée. N'hésitez pas, si vous souhaitez mettre un petit peu moins de sucre, vous pouvez. Ne descendez pas trop bas. Hein. Il faut quand même que vous puissiez les conserver. Mais je dirais que 400 grammes de sucre, ça marche bien. Mais vous pouvez commencer par 450 comme je l'explique, comme je vous l'explique aujourd'hui. Vous rajoutez également le jus de citron et le gingembre et vous commencez à mélanger la préparation. Après environ 5 minutes de cuisson, voici ce que l'on obtient. Le sucre a commencé à se mélanger avec le jus de citron et le jus des clémentines et le potiron commence à se déliter un petit peu. C'est parti pour une cuisson lente, donc feu doux, le plus doux possible, pas trop non plus, mais plus ça cuit lentement, mieux c'est. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on est à 15 minutes de cuisson et vous avez vu, ça réduit considérablement. À environ 30 minutes de cuisson, comme vous pouvez le constater, la confiture est quasiment prête. Elle colle bien à la cuillère, on voit bien, hein, ça commence à coller à la cuillère. Alors ça j'en mets un petit peu partout, mais enfin c'est le principe de la confiture. Là, comme vous pouvez le constater, il reste pas mal de morceaux. Moi, je vais prendre mon petit mixeur à soupe, mon vieux mixeur à soupe, et je vais donner un petit coup là-dedans pour, enfin, je vais donner un petit coup dans la confiture pour enlever les morceaux, surtout les morceaux de clémentine qui, moi, me dérangent. Mais comme je vous le disais précédemment, si vous, les morceaux ne vous dérangent pas, alors dans ce cas-là, laissez comme ça et ça ira très bien. On arrive donc à la fin de cuisson des confitures, comme je vous le disais. On va faire le test de l'assiette. Alors l'assiette, je l'ai mis au congélateur pour que celle-ci soit bien froide et cela va permettre, dès qu'on va poser la confiture dessus, il faut que elle coule le moins possible, que ça prenne. On dit quand on fait des confitures, on dit qu'il faut que la confiture prenne directement. Mais de toute façon, on voit bien rien que la cuillère, déjà ça nappe la cuillère. Donc là, on est sûr que la confiture est quasiment prise. Rappelez-vous, et vous pouvez le voir, que j'ai donné un petit coup de mixeur, hein, vous l'avez vu, le son était coupé, encore une fois à cause des petits problèmes de son, mais vous avez vu que j'ai donné, d'ailleurs ça se voit même au niveau de la couleur a changé un petit peu, ça peut être un avantage de donner un petit coup de mixeur, et si vous n'avez pas de mixeur, si vous avez un blender, c'est pas super le blender, parce que c'est quand même chaud, puis après il faut remettre à cuire, mais bon, ça peut marcher si vous n'avez pas de petits mixeurs à soupe. Voilà, là on va donc prendre une petite cuillère, enfin une cuillère, et on va le mettre dans l'assiette. Comme vous pouvez le voir là, la confiture tient parfaitement. Elle coule un tout petit peu, mais franchement, elle est prise direct. Là, c'est parfait. La confiture est prise. Vous pouvez arrêter la cuisson.
Dès que la cuisson est terminée, vous devez avoir au préalable nettoyé vos pots à confiture ainsi que les couvercles. Alors moi, je les essuie. Hein, il y en a certains qui les stérilisent. Moi, personnellement, je considère que la confiture est suffisamment chaude pour stériliser le pot et le couvercle. Donc, ce que je fais, je verse la confiture dans le pot, comme vous allez pouvoir le constater, et puis je ferme le couvercle et je retourne le pot de confiture, et de cette manière, ça va faire le vide et je vais laisser après le pot de confiture retourner comme ça, juste attendre que ça refroidisse, et le lendemain matin, vous pouvez les remettre dans le sens inverse, et vous pouvez les conserver au moins 6 mois sans aucun problème. En ce qui me concerne, moi, pour la présentation et la fin de la vidéo, je vais mettre ça dans une petite soucoupe. Et juste pour info, c'est la confiture que je vous ai faite. Là, c'est pour environ un pot et demi de confiture classique que l'on peut trouver dans le commerce. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite présentation, une petite tartine avec du pain évidemment et du beurre et de la confiture. Et puis voilà, dans la petite coupelle comme je viens de vous parler. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Abonnez-vous. Juste après également, vous allez pouvoir aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Évidemment, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas que là, j'ai eu un petit problème de son, mais en temps normal, j'ai pas ce problème et tout est très fluide. Donc, veuillez m'excuser encore pour ce petit désagrément. Ça m'embêtait de refaire la vidéo et puis ça me permet d'apprendre à travailler le logiciel. Donc, c'est plutôt pas mal. Maintenant, soyez indulgents et je vous en remercie à l'avance. Je vous mets également 2 autres recettes de confiture tout aussi simples à faire que celle-ci. Et je vous dis à très vite. Salut, merci de votre fidélité. À bientôt sur Comment fait-on? Maintenant, vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.